quelque temps. La vie s'est accélérée. Ouais. Prenez le temps de vous poser, de vous reposer enfin, pour retrouver l'équilibre. Chance et succès seront donc au rendez-vous si vous sélectionnez vos priorités et si vous évitez la dispersion. Jupiter va réveiller votre énergie, très en forme physiquement. Votre morale va suivre et votre enthousiasme va donc devenir une évidence. Côté cœur, pour consolider vos amours, donnez-vous du temps. Préservez-vous des moments à deux, loin de toute obligation. Ajoutez juste un zeste de fantaisie à votre quotidien, en soignant autant votre couple que vos amitiés. La complicité fera partie de vos priorités. Ouais, de belles surprises vous attendent. Et soyez prêts. En couple, eh bien, finis les doutes et les peurs. Surtout si vous lâchez vos incertitudes d'hier. Profitez des vacances pour retrouver un peu plus de spontanéité et de tendresse vis-à-vis de votre conjoint. Même si la liberté reste votre priorité à vous, montrez-vous un peu plus attentif aux demandes de vos proches. Vous êtes célibataire ? Optez pour la complémentarité et surtout, oubliez les rapports de force, surtout au mois d'août. La confiance en l'autre sera la clé pour ouvrir votre esprit puis votre cœur. En prenant tout votre temps, votre indépendance restera sacrée. Alors, pour garder le sourire, eh bien les pauses régulières seront donc obligatoires pour reprendre votre respiration. Uranus ou chahut les nerfs, ressourcez-vous à l'abri de toute négativité et méfiez-vous de vos excès durant l'été. Si vous ne voulez pas aborder la rentrée épuisée, tout ira bien si vous respectez une bonne hygiène de vie. C'est à vous de jouer. Ma bulle positive de l'année. Rappelez-vous toujours, personne n'est responsable de la tête qu'il a, mais de celle qu'il fait. Aussi, entretenez toujours de belles pensées et vous allez récolter de bonnes ondes, évidemment. Bel été à vous. Moi, je vais plonger dans la piscine.